Kim, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, c'est parti pour un petit retour de course chez Lidl. J'en ai eu pour 127 euros. Alors, j'ai pris des fruits, des légumes. J'ai pris des surgelés. D'ailleurs, on va commencer par les surgelés pour que je puisse aller les ranger. J'ai pris pas mal de choses aussi pour mon régime. Donc, voilà, je vous montre tout ça. C'est parti. En surgelé, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des rostis parce que Amine adore ça. Et puis, pour la cantine, c'est beaucoup plus simple. J'ai repris des frites. J'ai pris des fraises. J'ai pas trouvé de framboises. Ils ont que les fraises et les fruits rouges. Et comme il me reste des fruits rouges, ben j'ai pris les fraises. Ça, c'est bien pour les smoothies, par exemple, ou les coulis maison. Qu'est-ce que j'ai pris en surgelé? En surgelé, j'ai pris aussi des sorbets. Mangue et, j'allais dire mango. Mangue et framboise. Voilà, nous, on préfère les sorbets. Et je crois que c'est tout au niveau des surgelés. Ça, c'était pas surgelé, mais bon, ça va quand même aller au frais. C'est des crevettes. Des queues de crevettes pour mon régime. Et je crois que c'est tout, donc ceux-là, je vais aller les ranger et je vous retrouve juste après. Ensuite, en fruits et légumes, j'ai pris cette très très belle botte de carottes fan, trop jolie, une frisée. J'ai pris un trio de poivrons ainsi que du poivron rouge, voilà, si vous ne supportez pas les poivrons, le rouge, ça passe. Un pomelo, parce qu'il m'en reste deux, deux sachets de citron, j'ai pris trois kiwis, des oranges à dessert. Donc, c'est pas à jus, des myrtilles. Ça sent trop bon dans les salades. Donc, des petits oignons nouveaux, des bananes. J'ai trouvé des haricots verts comme ça parce qu'on peut plus voir celle en boîte. Du coup, on va faire celle-ci. Des fraises pour ma petite Charlotte aux fraises. Des bananes, ça je vous ai dit. Deux courgettes et deux concombres. Des tomates grappes. Elles sont trop belles. Ah mince, j'ai oublié de ranger. Non, parce qu'il m'en reste encore. Je vais aller ranger la glace. Voilà, c'est, pas la c'est tout en fruits et légumes. Ensuite, j'ai pris du lait délactosé. Facile à digérer sans lactose. Deux pains de sandwich complet. Là, j'ai repris des tostinettes donc, pour croque-monsieur hamburger. J'ai pris du mascarpone et en fait, j'ai trouvé de la burrata. Donc, je l'avais trouvée la dernière fois. J'ai goûté. Franchement, elle est bonne. Franchement, vous pouvez y aller. Elle est à 1,99€. Donc, je l'ai reprise. J'ai pris un sachet, enfin, le lot de trois sachets de d'emmental râpés, du beurre, des amandes effilées et des amandes, je dirais, entières non grillées et non salées. J'ai repris des couches pour mon fils en taille 4, des compotes. Là, c'est que pommes. J'ai pris que pommes. Puis, Camille, il n'aime pas trop pommes-bananes. J'ai pris des pains à hamburger comme ça. J'ai pas trouvé les géants. Du coup, bah écoutez, on va utiliser cela, l'huile de tournesol et pas l'huile de palme. J'ai repris nos deux confitures préférées, fraises d'Aquitaine et abricot rouge du Roussillon. Ensuite, j'ai repris ceci. Ça, c'est très très bon en fait. Du thon. Hop. Ouais, c'est pas du thon. C'est des sardines à l'huile d'olive et des filets de maquereau eau de moutarde. La dernière fois, je me suis trompée. J'ai pris celle au vin. J'ai pas fait attention. En plus, c'est pratiquement. Nassim revient. C'est pratiquement le même visuel, je dirais. Mais ça, c'est très très bien au niveau des oméga, etc. Et c'est pour mon régime. Ensuite, j'ai racheté une huile d'olive, trois sauces tomates simples. J'ai pris des jus pour Amine, donc c'est les multivitaminés. Je préfère que l'orange, parce que l'orange, je trouve que ça n'a pas de goût. J'ai pris un complexe de 4 huiles. Non, ça, c'est un complexe de 4 huiles. En général, je prends celle au colza, je préfère. J'ai repris du sirop de grenadine, deux jus sans pulpe. En gâteau, du coup, j'ai pris des princes, barquette chocolat fraise. Ouais, c'est des génoises Pimms. Ça, c'est pour donc des biscuits cuillères pour ma petite comment ça s'appelle, ma petite Charlotte. J'ai repris un paquet de crème entière liquide à 30% pour faire la chantilly, du coup la crème. J'ai pris des madeleines, ça se passe très très bien pour les enfants. J'ai pris en épices de la cannelle, ça c'est bien pour sucrer en fait, vu que je ne sucre plus quasiment plus rien. Donc ça fait office de sucre. Et enfin, on va terminer, avant de terminer, par les yaourts. J'ai pris les carrés crémeux donc, qui ressemblent au kiri. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris donc, de la compote pomme-fraise. J'ai même pas fait attention que ça soit sans sucre ajouté. Mince, il y a du sucre. Bon, c'est pas grave, celle-ci, je la laisserai pour mon fils, pour mes fistons. Et moi, je garderai celle-là. Voilà, parce que moi, c'est sans sucre ajouté. J'ai pris un dessert végétal au chocolat. Au lait d'amande, c'était le moins sucré avec, par rapport à celui au caramel. J'ai pris les yaourts au lait entier qui font penser à ceux de la laitière. Là, vous avez en fait 4 parfums, 4 saveurs, vanille, framboise, citron, coco. Ils sont très très bons si vous n'avez pas goûté. Les yaourts nature sucrée
Mon mari et mon fils ne jurent que par cela. J'ai pris ceux du casino la dernière fois et ils sont pas bons, à ce qui paraît, hein, parce que moi je les mange pas. J'ai pris pour moi des yaourts au bifidus nature. Voilà. Et enfin, pour le tout petit, je lui ai pris des fromages frais. Mais Amine, je sais qu'il va. Et enfin, j'ai fait un petit tour chez La Vie Claire, donc magasin bio, où j'ai pris du quinoa. Voilà, j'adore ça. J'ai pris du pain semi-complet au levain. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du lait d'amande sans sucre. J'ai pris une boîte de filet de maquereau au naturel. J'ai pris des peignes aux petites épeautres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des torsades 100% sarrasin. Hop. Donc de la marque La Vie Claire. J'ai pris, oulala, il est un petit peu fondu, du beurre de baratte. À ce qui paraît, c'est vraiment du vrai beurre. Voilà, celui-ci, il est bio, origine France, etc. Donc, on va tester, j'ai jamais essayé. Parce que les autres, ils sont trop industrialisés. Merci, je me suis pris un petit bol en bois céréales. Ouais. J'ai pris deux petites pommes. Ouais, trop bien. Hop, les petites pommes. J'ai pris du curcuma pour les smoothies. Bon, je savais pas, moi je connaissais le gingembre, mais alors pas du tout le curcuma comme ça. J'ai pris une briquette de lait de coco, ouais. Et enfin, j'ai repris du soja, du soja cuisine, voilà. Et franchement, ça passe super bien. Donc, voilà, voilà pour mes petits achats chez, comment ça s'appelle? Chez La Vie Claire. Donc, voilà pour mes petites courses du jour. J'espère que... De Lidl. Ouais, de Lidl, tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Ah oui, pouce bleu, tu connais? Et surtout, abonnez-vous à Chat Beauty. Vous avez entendu. La vérité ne sort que de la bouche des enfants. Donc, voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Bye.